Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Death's Door Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Maître des portes. Tiens, corbeau, bonjour toi. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? À quoi bon être le maître de toutes les portes de ce monde si mes larbins oublient toujours de les fermer? Alors pourquoi es-tu là? Je n'ai pas vu de corbeau depuis bien des années. Vous avez toujours votre bec. C'est chouette. Je sens une puissance énergique. Énergie animique en toi, petit corbeau. C'est une impression curieuse, familière. Oh, c'est pour ça que tu es ici. Tu viens chercher une récompense. Tu as bien travaillé, mon petit. Bravo! Et maintenant, sois gentil, dépose-les dans ton coffre. Tu n'as pas besoin de m'apporter les armes directement. J'ai des choses plus importantes à faire. Sia. Ouais. Déguerpi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as déjà accompli ta mission? Attends, mais tu as une âme géante! Mais ce n'est pas la bonne, je ne peux pas l'enregistrer! Comment as-tu fait? Bon, peu importe, repars chercher l'âme que je t'ai assignée. Ouais, mais c'est pas là que je vais aller. Thank you.
Nac. Thank you.
Yes! Défends ça encore. J'ai trouvé la vieille boussole. Saute parfois pour s'orienter au gré de ses envies. On voit qu'elle est ancienne, son aiguille a dû perdre des propriétés magnétiques. Je pense que le corbeau est par là. Voilà. C'est quoi ça? Vers les ruines broussailleuses. C'est là.
peut-être pas ici qu'il faut jouer parce que. Oh. Le chemin menait vers le marais, mais le roi Clapeau l'a bloqué. Tu es fort comme maman. Tu pourrais sûrement l'ouvrir. J'ai pas encore cette force. Bon, mais apparemment, faut qu'on termine avec celui-là parce que là, j'ai pas les habilités pour aller plus loin. Non, qu'est-ce que tu veux me dire? Incroyable! En si peu de temps, tu en as fait bien plus que moi pendant toutes ces années. Si tu parviens à récolter les âmes des deux autres géants, nous pourrons ouvrir la porte de la mort. Tu devrais aller à l'est, au-delà de la forêt. Là-bas, un roi autoproclamé règne sur les ruines d'une cathédrale inondée et tourmente les habitants de la forêt. J'arrive de là, mais je sais pas quoi faire. Puissante sorcière poussée par ses instincts maternels, a consumé par son attachement à vouloir tremper la mort et la consacrer toute sa vie. Cette bague appartient à la sorcière des urnes, ce cadeau de son mari défunt d'à une époque. Elle a probablement dû la retirer du corps en pleurs constamment. Voilà ce qui arrive quand on vit de son âge. Là-dedans.
Bonjour, face de bec. Comment se passe ton aventure? Je vais me faire halte au marin échoué. Pour refaire le plein et délicieux soupe de Jefferson. C'est un homme étrange, mais un très bon chef. Journal d'aventure. Il est trempé, les pages semblent être collées ensemble. Petit ma beauté, un peu sous. Le sommet par le castel du Pen. Bonjour ami Bipède. Moi c'est Jefferson, humble barman et amateur de fruits de mer à ton service. Est-ce que je peux te préparer un bon petit plat avec mes mains humaines? Formidable et un plat délicieux. J'adore cuisiner à l'aide de mes mains, de mammifères, plusieurs doigts. Alors bon? Bon, je vais te dire quelque chose pendant que tu ingères des nutriments. Un secret est enfoui sous les douves du domaine de la sorcière des urnes. Pour l'ouvrir, il faudra utiliser une flamme vive dans les jardins à Alice. Un secret se cache derrière la maison d'une puissance sorcière assassée par l'Ouest. Pour le trouver, tu dois chercher des ouvertures dans la haie. On dit que la salle de bain de la sorcière cache un mystère. Peut-être que tu y réfléchis un peu et la réponse t'apparaîtra. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. C'est pas un marin pour vrai, je viens de voir, c'est rien que...
C'est pas une porte, je vais utiliser la porte parce que... Allez, je vais... Ton aventure, je cherche toujours une réponse à la situation. Pourquoi ne puis-je pas mourir? J'ai perdu un ami cher autrefois et j'ai enterré sous la clarté de la lune. Depuis ce jour, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Je me demande si je pourrais me sentir à nouveau entier. Elle est où cette salle de bain, elle?
T'as un nez qui me chatouille, moi, aujourd'hui.
chemin à trouver la fleur éternelle. On aura fait des cris témoignent de l'étrange état de cet endroit. Thank you.
Ah, c'est là. Le bivouac de la forêt. On allait jouer dans les donjons, mais la forêt les a fermés. Le roi crapaud s'est assis sur mon frère et il s'est retrouvé dans son ventre. Bonjour ami emplumé, je suis dur d'oreille, il faut que tu parles fort. Salut Corbac, je vois que tu bourlingues et toi aussi. Qu'est-ce qui t'amène? Tu viens apprendre la musique en enfant de la forêt toi aussi? C'est dommage que la mère de la forêt ait perdu sa corne. J'espère qu'elle la retrouvera bientôt pour que j'entende sa belle mélodie. Je n'ai pas vu un de tes semblables ici depuis bien longtemps. Tu viens sûrement pour voir tes amis dans la profondeur. Je regrette, mais la forêt est scellée, les portes sont des donjons et il y a nombreuses lunes pour nous protéger. Je pourrais lui parler et lui demander de t'ouvrir les portes. Mais nous communiquons par la musique, hélas. J'ai perdu ma corne magique. Je l'ai laissée dans l'ancien camp du Nord, mais nous avons été chassés par les psyres du roi crapaud. Si tu me la rapportes, nous pourrons sûrement t'aider dans ton voyage. Tu vas nous aider à retrouver la corne de maman. Méfie-toi du roi crapaud et de ses larves de bain. Thank you.
calisse!
Faire quelque chose rapidement pour ça on va changer de jeu. C'est tout pour l'aventure du jeu Dead's Door Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!